Bonjour, pour cette recette du pain complet, vous aurez besoin de 500 g de farine complète, un sachet de levure boulangère qui fait environ 6 g, une cuillère à café de sel et de l'eau, environ 300 ml d'eau. Donc vous mélangez la levure, le sel et la farine. 500 g de farine complète. Et ensuite, vous allez rajouter de l'eau au fur et à mesure pour former la pâte. L'eau, c'est de l'eau tiède. Donc, pas trop chaude, pas froide non plus, mais tiède. Recouvrez la préparation d'un film plastique et mettez-le dans un endroit chaud et sec comme le four par exemple pendant une heure de temps. Une heure de temps après la préparation, notre pâte a bien gonflé. Voici le résultat. Là, il faudrait la dégonfler et former et lui donner la forme que vous souhaitez. Ensuite, vous allez déposer la préparation sur du papier sulfurisé et laisser gonfler encore une heure dans un endroit chaud et sec. Et plus tard, après le repos, vous pourrez procéder à la cuisson de votre pain complet. Donc retenez qu'il y a deux temps de repos. Le premier temps de repos et le deuxième temps de repos, c'est pour quand on a déjà formé, donner la forme du pain. Une fois que vous aurez donné la forme de votre pain, vous le mettez au four préchauffé préalablement pendant 40 minutes à 200 degrés. N'oubliez pas de mettre un bol d'eau dans le four, sur la base du four, pour qu'il y ait un peu de vapeur. Pour le pain, ça permet au pain de ne pas être trop sec. D'être bien doré. Voici notre résultat.